Alors, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Marie-Claude Blanc, je suis la directrice de l'arrondissement. Je vais être votre animatrice pour la soirée. Je vais donner le temps à tout le monde de pouvoir se connecter, connecter leur son. Je demanderai cependant de fermer votre micro pendant la présentation. Puis, à la fin de la présentation, là, on va être disponible pour répondre à l'ensemble de vos questions. À noter que la présentation de ce soir est enregistrée, puis on va pouvoir la rendre disponible. Là, il y a quelques personnes qui n'étaient pas disponibles pour la soirée de ce soir pourront avoir accès à l'ensemble des informations qui seront partagées. Alors, comme je le disais, on va peut-être attendre encore une minute et puis on va débuter. Je vais me permettre de fermer votre micro là, s'il est ouvert, juste pour éviter les bruits de fond. Il est 35, monsieur le maire. Je ne sais pas si on serait prêt à débuter. Je ne sais pas si vous me voyez, j'ai fait un thumbs up, mais oui, ça, oui, absolument. Si 35 habituellement, la majorité des gens qui ont à se joindre sont arrivés, donc on peut bien commencer. Parfait. Alors, je vais faire. Peut-être juste explication de comment ça va se passer ce soir. Premièrement, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là au début, là, je me suis présentée, Marie-Claude Leblanc, je suis la directrice de l'arrondissement d'Outremont. Je vais être votre animatrice pour la soirée de ce soir. Alors, on va avoir une présentation de la part de Monsieur le maire, Monsieur Tomlinson, et puis Madame Magny aussi. Et puis par la suite, il va y avoir une période de questions à laquelle vous serez invité à partager vos questions et vos commentaires. Pendant la présentation, je vous demanderai de garder votre micro fermé là, pour assurer là, qu'il n'y ait pas de bruit de fond. Et puis par la suite, pendant la période de questions, je vais vous demander de lever la main pour pouvoir y participer. Alors, sans plus attendre, je laisserai la parole à M. Tomlinson. Merci beaucoup, Madame Leblanc. Merci à toutes celles et ceux qui ont pris le temps d'être avec nous ce soir. Habituellement, on ne sait même plus qu'est-ce qui est habituel de nos jours, mais dans le bon vieux temps, disons ça comme ça, on aurait fait cette rencontre-là en personne. Probablement qu'on serait rencontrés dans le parc Pratt, pas loin de l'intersection en question, et on aurait jasé et on aurait répondu à toutes vos questions. Mais évidemment, situation oblige. Une autre rencontre en virtuel pour vous, pour ajouter à votre journée. Donc, merci doublement d'être là. Ce n'est pas un secret pour grand monde qui assiste à cette rencontre que l'intersection Dunlop et Van Horn est problématique, et ce, depuis très longtemps. On va vous montrer quelques chiffres plus tard dans la présentation, mais je tiens absolument à redire qu'il était important d'agir. On a entamé beaucoup, beaucoup de choses sur la sécurité de nos rues, de nos intersections. Au courant de notre mandat, on veut poursuivre en ce sens-là, mais il y a des intersections qu'on ne pouvait pas attendre. On a entamé, entre autres, l'été dernier, un processus qui va durer un an. Une analyse globale de l'ensemble des rues et des ruelles de notre quartier pour avoir l'heure juste sur les interventions futures à prendre
et les endroits prioritaires pour faire des interventions sécuritaires. Par contre, il y a des situations qu'on ne pouvait pas attendre et Dunlop, c'en est une, c'est la première. Et donc, on a envoyé ce document, ce dossier-là à notre comité et ce soir est le résultat de ça. Nous allons voter au prochain conseil pour changer le sens de deux tronçons de rue. Nous allons vous l'expliquer en détail. Donc, je vais dès maintenant céder la parole à la conseillère du district, Mme Magini, qui va vous dire un petit bonjour et je vais vous revenir faire la présentation. Madame Magini, c'est à vous. Merci beaucoup, M. Tomlinson. Bonjour, bonsoir à tout le monde. J'aurais vraiment préféré pouvoir voir vos visages. Ça fait bizarre pour moi de voir juste un écran ce soir. Bref, je suis très contente d'être ici avec vous. Je vois qu'il y a quand même plusieurs citoyens qui sont présents. Donc, merci pour votre présence. Je pense que cette réunion est très importante étant donné qu'elle va avoir pour impact la décision qu'on va prendre en conseil la semaine prochaine. Il y a des habitudes qui vont devoir se reprendre, des habitudes qui vont devoir changer. Comme l'a déjà mentionné M. Tomlinson, puis on va voir tout à l'heure les données, on se base vraiment sur des données pour prendre une décision dans le cas du changement, en fait, des changements qu'on va apporter à l'intersection Dunlop et Van Horn. Dans mon district, sur l'avenue Van Horn, l'intersection qui est la plus dangereuse est l'intersection Van Horn et Dunlop. Selon les chiffres que l'on a, la deuxième intersection la plus dangereuse, et vous avez dû vous en rendre compte de manière régulière, c'est Antonine Maillet et Van Horn. Il y a eu un accident aujourd'hui, ce matin, il y en a eu un autre mercredi dernier. Donc, c'est une situation qui nous préoccupe énormément. Malheureusement, au coin de Dunlop et d'Antonine Maillet, on voit qu'il n'y a pas de feu de circulation et qu'il est difficile de traverser dans le sens nord-sud, sud-nord et que ça occasionne des collisions. Ce qui nous préoccupe aussi beaucoup, c'est que l'avenue Van Horn fait partie, si on peut dire, d'un corridor scolaire. Donc, il y a beaucoup d'écoles primaires, secondaires sur le territoire de l'arrondissement, surtout primaires, et beaucoup d'enfants, de familles marchent pour aller à l'école. Et lorsqu'on voit des images, j'ai plusieurs photos, je pourrais vous en partager, de voitures qui sont rentrées sur le trottoir, en fait, ça nous préoccupe grandement. Et bien sûr, on n'a pas le choix d'agir. On aurait voulu agir plus tôt, mais bien sûr, on était dans l'attente des différentes recommandations, notamment de notre comité de sécurisation, qui est composé du SPVM, du CIM, donc des pompiers, des experts de l'arrondissement. Donc, c'est un peu, je ne veux pas faire la présentation de monsieur le maire, mais tout ça pour dire que la semaine dernière, j'ai eu l'occasion de faire du porte-à-porte et sur Dunlop et sur Heartland. Sur Dunlop, bien sûr, la réaction de 90% au moins ou 95% des personnes que j'ai pu rencontrer étaient extrêmement positives. Les gens me disaient « enfin, vous agissez, enfin, vous faites un changement ». Et malgré les changements d'habitude que ce changement va occasionner, les gens sont très heureux qu'on essaye de changer la situation et de sécuriser cette intersection. J'ai également fait du porte-à-porte sur Heartland, uniquement dans la section, j'ai parlé peut-être un peu trop cette soirée-là, uniquement dans la section entre Van Horn et Ducharme. Je viendrai à la rencontre des autres personnes cette fin de semaine, certainement. Et effectivement, il y a plusieurs personnes qui avaient des préoccupations avec raison. Donc, plusieurs personnes qui me disaient, on comprend que l'intersection Van Horn-Dunlop est dangereuse, mais concrètement, vous allez nous envoyer plus de trafic sur Heartland. Bien sûr, on est au courant que cette décision va avoir un impact. Maintenant, sur Heartland, il y a un feu de circulation au coin de Van Horn, ce qu'il n'y a pas encore une fois sur Dunlop. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait une amélioration, le changement de rue sur Dunlop, qui est vraiment une amélioration de la situation sur Dunlop. Il y aura peut-être une augmentation de trafic. Ce que nous disons, le maire et moi-même, c'est que c'est une décision temporaire. On va continuer à analyser la situation. Si jamais c'est une catastrophe, cette décision qu'on prend la semaine prochaine,
Rien ne nous empêche de revenir en arrière, mais il est absolument important pour nous, étant donné les données qui sont disponibles en ce moment, étant donné les recommandations de nos experts à la ville, donc experts, comme j'ai déjà mentionné, SPVM, SIM et nos experts à l'arrondissement, de suivre les recommandations de ces experts-là et de mettre en place rapidement des mesures de sécurisation. Donc, écoutez, je suis à votre écoute. Encore une fois, dommage de ne pas pouvoir voir vos visages. Je vais laisser la parole au maire. Merci et bonne soirée à tout le monde. Merci, Mme Magini. Donc, sans plus tarder, Mme Leblanc, vous avez le contrôle. Allons-y. Donc, évidemment, on parlait tantôt de données. Depuis 2018, en fait, en 2018-2019, d'après les chiffres disponibles au SPVM, il y a répertorié 10 accidents à l'intersection de Van Horn et Dunlop. On n'a pas les chiffres de 2020 ni de 2021, mais pour ceux qui habitent pas loin, le savent très bien, il y a eu plusieurs, je dirais au moins une demi-douzaine d'accidents en 2020-2021 à cette intersection même-là. Important à noter, dans le bas de la page, vous voyez qu'il y a répertorié 2 des accidents sur Heartland et 2 sur Anthony Maillet. Donc, évidemment, comme Mme Magine a mentionné, Anthony Maillet, cette rentrée scolaire-ci, appelons ça comme ça, en cette période de rentrée scolaire, c'est un peu la folie présentement. On a eu, je pense, 4 accidents dans les dernières semaines, voire les 2 derniers mois. Il y a une analyse à faire, on va en reparler plus tard. Prochaine, s'il vous plaît. On a parlé un peu des causes. Et c'est carrément le transit nord-sud. Les gens avancent dans l'intersection pour augmenter leur champ visuel, qu'il soit au nord ou au sud de l'intersection, pour traverser Van Horn. Et justement, il y a une problématique à cause du fait qu'on est entre deux lumières et la majorité de la circulation de transit qui accélère sur Van Horn après une des deux lumières pour s'assurer d'avoir la prochaine et faire en sorte qu'il n'y a pas assez de temps pour réagir. Et les gens qui s'avancent dans l'intersection nord-sud souvent se font frapper par d'autres. Plusieurs gens l'ont remarqué. Vous pouvez pas aller à la prochaine slide, Mme Leblanc. Les accidents ressemblent souvent à ceci. En fait, la fin de l'accident ressemble souvent à ceci. Un des deux véhicules se retrouve soit sur le terrain d'un citoyen ou soit sur le trottoir. Et je crois qu'on peut se considérer extrêmement chanceux à date de ne pas avoir eu des piétons qui passaient par là au même moment. Ça me donne toujours des frissons, je dois vous avouer, à chaque fois que je vois des images comme ça, à chaque fois que j'en parle, de voir à quel point on s'en sort quand même bien, considérant le nombre d'accidents qu'on a eu à cette intersection-là. Prochaine, s'il vous plaît. Donc, tel que mentionné par Mme Magini, on a un comité de sécurisation à l'arrondissement, policiers, pompiers, sécurité publique, experts en circulation de l'arrondissement, qui analyse l'ensemble des demandes citoyennes et des problématiques pour voir quelles sont les solutions possibles afin d'améliorer la sécurité ou de faire des recommandations au conseil pour faire des changements. Et voici les recommandations qui ont été faites par le comité. Un sens unique en direction sud sur la partie Dunlop entre les avenues Van Horn et Lajoie, et un sens unique en direction nord sur la partie de Dunlop entre Van Horn et Ducharme. Donc, ce qu'on fait, grosso modo, prochaine slide, on passe de cette situation actuelle là que vous voyez. Donc, voici l'intersection telle qu'elle est présentement avec les 4 voies de passage, de transit, donc transit est-ouest mélangé avec transit nord-sud. Et on passe à la prochaine. Voici la situation. Donc, on enlève le transit nord-sud à l'intersection en créant des sens uniques à partir de Van Horn vers le nord et vers le sud. Donc, on enlève cette possibilité-là aux gens. Il faut dire aussi que la majorité des gens qui sont en transit à cette intersection-là, et bien franchement, la majorité de nos intersections, ce ne sont pas des résidents. Les résidents
d'Outremont sont tout à fait au courant des situations, sont tout à fait au courant de ce qui se passe dans l'arrondissement. Il y a beaucoup de piétons, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'aînés, des gens avec des poussettes, etc. Et les résidents ils prennent leur temps, ils font attention. Mais malheureusement, vu la situation géographique de l'arrondissement en plein cœur de l'île de Montréal, chez nous, il y a toujours des gens qui passent par chez nous pour aller ailleurs. Donc, en éliminant ces possibilités-là à certains endroits, on donne un petit peu plus de chance à la sécurité de rester sans qu'il y ait d'accident. Donc, voici la situation que ça va donner. Fait remarquer les gens qui habitent là depuis longtemps, remarquer que jusqu'à il y a 2 ans, je crois, en plus, on avait peinturé des traverses pour piétons qui traversaient Van Horn à cette intersection-là, notamment vu la présence du parc Pratt pour les gens qui voulaient aller au parc. On a enlevé ces traverses-là pour ne pas donner un faux sentiment de sécurité aux gens. Souvent, quand il y a une traverse, les gens prennent un peu plus pour acquis, en fait, les piétons prennent un peu plus pour acquis qu'ils sont en sécurité. Et ce n'est pas une intersection sécuritaire du tout. Donc, on a voulu diriger les piétons vers notamment l'intersection au coin de Pratt pour accéder au parc parce qu'il y a une lumière. Donc, voilà la situation. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, un petit peu plus de précision. Donc, les deux lumières au coin d'Artland et de Pratt souvent sont un peu la cause, si vous voulez, de la vitesse sur Van Horn. Ça et le fait que les gens sont toujours pressés pour rentrer chez eux ou pour faire quoi que ce soit. Mais souvent, les lumières, c'est dire « Ah, je peux faire ma lumière, j'accélère. » Et on oublie qu'il y a une intersection avant la lumière, celle de Dunlop. On ne réglera pas nécessairement ce problème-là avec notre décision, mais on va certainement aider à enlever des possibilités d'accident à cette intersection-là. Prochaine, s'il vous plaît. Donc, au niveau des impacts, la majorité des impacts, nous croyons, sont positifs, mais ils ne sont pas à 100% positifs. Donc, élimination d'une majorité des conflits entre les véhicules, on en a parlé. Amélioration de la sécurité, protection des piétons, réduction de la circulation de transit sur les deux tronçons. C'est un autre point important. Les gens qui habitent ces deux tronçons-là savent très bien qu'il y a beaucoup de véhicules qui passent qui ne sont pas des résidents. Ces gens-là passent par chez eux pour tenter d'éviter le trafic, soit sur Rockland, sur Davao ou de Vimy, donc les passages nord-sud. Utilisation des avenues Artland et Pratt. Donc, oui, on risque d'amener plus de trafic sur Artland et Pratt, mais ils sont protégés. C'est important à noter que ces deux intersections sont protégées par des feux de circulation. Et notre expérience, c'est que ce n'est pas nécessairement des rues les plus propices pour court-circuiter le trafic quand on est en transit que d'attendre une lumière. Donc, on verra ce que ça donne, mais ce qui est important, c'est l'utilisation des infrastructures qu'on a en ce moment en place. Aussi, l'obligation pour les citoyens de ces deux tronçons d'emprunter les avenues La Joie et du Charme. Il va y avoir des changements d'habitude pour les citoyens de ces deux tronçons-là et les avenues Artland ou Pratt pour se rendre à l'avenue Van Horn. Évidemment, il y a toujours la possibilité qu'on déplace la problématique sur d'autres intersections. Il faut être conscient de ça, notamment celle d'Antonin Maillet et Van Horn. Déjà, comme Mme Maginy l'a dit d'entrée de jeu, il y a une multiplication des accidents sur cette intersection-là. Il n'y en avait pas beaucoup avant. Puis là, tout d'un coup, il y en a plein. Je ne sais pas c'est quoi. On n'a pas nécessairement changé la configuration ou fait quoi que ce soit à cette intersection-là, mais elle a des aménagements exacts comme celle de Dunlop présentement. Donc, est-ce que c'est vraiment le fait qu'elle est configurée de cette façon-là? Voyons voir. Mais déjà, nous avons demandé à notre comité de sécurisation de se pencher sur l'intersection Antonin-Maillet et Van Horn. Donc, elle est présentement en analyse pour le court terme et aussi
le moyen terme, et ça, c'est important sur l'ensemble des intersections de Van Horn. L'avenue Van Horn est ciblée par la Ville de Montréal pour des travaux majeurs souterrains dans les prochaines années. En fait, on croit que tout le processus de consultation sera entamé en 2022. Ce n'est pas encore été confirmé, mais on verra. Mais c'est une avenue qui aurait dû déjà être refaite. Hein, il y avait un processus d'entamer en 2016 qui avait été retardé. Les infrastructures sont toujours aussi vieilles, sont toujours aussi usées et doivent absolument être remplacées. Donc, l'ensemble de l'avenue Van Horn va être refait au courant des prochaines années. Et ça inclut des mesures de sécurisation sur l'ensemble des intersections qui croisent Van Horn. Déjà, l'arrondissement a fait savoir à la ville qu'il est ultra important d'avoir des lumières à chacune des intersections. On verra comment ça va se passer, mais nous croyons que l'avenue de lumière à chacune des intersections, où est-ce qu'il n'y en a pas, va grandement améliorer. Et la seule chose que ça risque de faire, c'est vraiment de ralentir le trafic de transit sur Van Horn. Mais si ça augmente la sécurité de nos résidentes et de nos résidents, bien, on est 100% pour. Prochaine slide. Nous voilà rendus à la parole, où est-ce qu'on vous donne la parole pour une période de discussion et de questions. Donc, j'ai été rapidement parce que je voulais vous laisser le plus de temps possible pour vous exprimer. Je vais redonner la parole à Mme Leblanc qui va gérer la période de discussion et de questions. Merci de votre attention. Alors, merci, M. le maire. Je vais prendre les mains levées. Alors, vous pouvez voir peut-être dans le bas de votre écran, vous avez l'option de lever votre main pour pouvoir signifier que vous avez une question à poser. Je commencerai peut-être par... Et là, je n'ai pas votre nom complet, alors j'en suis déjà désolée, mais SZA. Si vous voulez peut-être poser votre question, étant donné que vous avez été la première, je ne sais pas si votre micro fonctionne. Sinon, M. le maire, je ne sais pas si vous la voyez, je peux aussi vous la lire, la question, et puis on peut y répondre. Est-ce que ça vous convient? Ben, oui, on peut la lire. Je crois que je l'ai, elle est dans le chat. Donc, exact. La personne écrit « Désolé, je ne peux pas ouvrir le micro. Peut-on se baser sur des données datant de 2 ans pour prendre une décision? 6 accidents en 2 ans est trop, mais quelles sont les comparaisons sur les autres coins de rue? » Je vous en donner un bref exemple. 6 accidents en 2 ans, c'est beaucoup, en effet. Puis ça, c'est 6 accidents en 2018 et 2019. On n'a pas les données de 2020 et 2021. Et on sait très bien qu'en 2020 et 2021, il y a eu multiples accidents. Donc, je pense que les chiffres de 2018 et 2019 peuvent facilement être reportés sur 2020 et 2021 et ça nous donnerait un portrait un peu plus juste. Je pense que les autres coins de rue, comme exemple, je vois les gens maintenant. Ah, merci, Mme Leblanc, c'est super. Je pense que les autres coins de rue, comme on a mentionné, il y en avait 2 au coin d'Heartland et 2 au coin d'Antonine-Maillet. Donc, on comprend que c'est l'ensemble du secteur, la vitesse sur Van Horn, elle est trop élevée il y a des conflits importants. Les véhicules de transit sont un peu partout. Et donc, on doit absolument agir. Maintenant, comme Mme Maginelle le disait, ça, c'est en attendant qu'on refasse l'avenue Van Horn et qu'on voit l'ensemble des intersections. Mais si on voit que ça ne règle pas le problème, bien, on pourra trouver autre chose. Mais notre comité d'experts nous est favorable pour cette recommandation-là, nous explique que c'est probablement la meilleure façon, à court terme, d'affecter le changement et de sécuriser l'intersection. Mais on ne s'arrêtera pas là. S'il faut aller plus loin encore, on va le faire. Il n'y a rien de plus important que la sécurité de nos résidentes et résidents. Donc, c'est les données que nous avons, c'est majeur. Comparé à ailleurs, là, je peux vous dire que sur l'ensemble de l'arrondissement, rares sont les intersections qui ont autant
d'accidents. Je ne pense pas qu'il y en a ailleurs dans l'arrondissement qu'il y en a autant d'accidents. Donc, merci. Alors, je voulais juste faire, je m'excuse de prendre la parole, je voulais juste faire une précision. On ne parle pas de 6, mais de 10 accidents pour les années 2018-2019, de 2 pour Anthony Maillet. Maintenant, on sait que la dernière année, il y en a eu bien plus que 2, et de 2 pour Heartland. Et je voulais juste dire, malheureusement, les données, que ce soit au niveau municipal, provincial, fédéral, il y a toujours vraiment un décalage. Donc, je peux me référer, Madame Patrou pourra corroborer même à notre analyse sur les GES. Malheureusement, on doit toujours se fier à des chiffres qui datent. Donc, voilà, c'est un peu la réalité avec laquelle on doit composer. Voilà, désolée d'avoir pris la parole sans attendre mon tour de parole. Merci, Madame Magini, pour la précision. Alors, je laisserai la parole à Monsieur ou Madame Choquette. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis sur Dunlop, sur 832, donc entre Van Horn et Ducharme. Petite question, pourquoi pas simplement mettre un feu? Vous avez envisagé une fois la réfection de Van Horn, pourquoi pas le faire tout de suite? Pourquoi faire tous ces aménagements-là? C'était vraiment ma première question. Et ma deuxième question, ce serait si vous envisagez la proposition que vous proposez aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait permettre aux résidents qui arrivent de Ducharme, seulement eux, de pouvoir arriver à leur domicile et donc de faire une circulation nord-sud pour résidents seulement? Parce que sinon, ça va nous forcer effectivement à aller sur Heartland où il y a du stationnement des deux côtés de la rue. Dès qu'on sait bien, dès que c'est l'hiver, ça passe à une voiture, ou d'aller sur Pratt. Et je pense que ça va quand même causer relativement beaucoup de problèmes de ce côté-là. Merci, Madame Leblanc. Je vais me tenter une réponse. Je pense que c'est assez... Bon, première question, pourquoi pas mettre un feu? Parce que on n'a pas la même mise sur la mise en place de feux de circulation. C'est vraiment la Ville de Montréal qui intervient sur des artères comme celle de Van Horn. Donc, Van Horn est une artère, elle est désignée par la Ville-Centre et c'est eux qui mettent en place les feux de circulation sur des artères comme celle-là. Évidemment, on va attendre longtemps, bien franchement, parce qu'ils ont déjà dans leur carton de refaire la rue et possiblement, ils vont en avoir une à la suite des travaux. Mais ils ne mettront pas un feu juste pour... en attendant, ils ont beaucoup d'autres chats à fouetter, si je peux me permettre, ailleurs en ville. Et donc, c'est parce que ce n'est pas à nous à mettre des feux. Donc, si c'était juste à nous, ça se peut qu'on ait mis un. L'autre problématique qu'on a, c'est que toute mesure d'implantation de feux ou autre dans les municipalités sont dirigées par le ministère des Transports du Québec. Et les ministères des Transports du Québec, dans leur guide, leur Bible, si vous voulez, d'installation de mesures de sécurisation ou de mesures qui ont lien au transport de véhicules ou autres, ne permettent pas des lumières en ce moment, ne permettent pas des lumières quand les coins de rue sont si rapprochés que celles, par exemple, entre Dunlop et Pratt ou Dunlop et Heartland. Donc, c'est pour ça qu'automatiquement, il y a eu des lumières aux deux intersections parce qu'ils croient, puis est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment une bonne raison? Fort probablement, mais ça peut être questionné en ayant des feux très rapprochés. Les gens ont tendance à ne pas voir tous les feux et donc à brûler des feux rouges qui seraient encore pires au niveau de la sécurité. Donc ça, c'est pour les feux de circulation. Cela ne veut pas dire qu'éventuellement, après la réfection complète de la rue, on ne pourra pas en avoir une. Mais pour le moment, c'est les raisons pourquoi on n'installe pas une rapidement. Ça prendrait trop de temps, puis l'MTQ le refuserait. L'autre chose que de permettre uniquement aux résidents de rentrer sur leur tronçon, donc d'aller à sens contraire, c'est qu'il faudrait que la rue devienne deux sens.
on ne peut pas avoir une entrée, une sortie dans un sens unique. Bon, bien, on s'entend que présentement, je comprends que c'est le cas. Donc, au lieu de la transformer en sens unique, ce qu'il faudrait faire, si on, pour votre proposition, ce serait faudrait carrément barrer l'entrée, barrer l'accès à partir de Van Horn, pour pas que personne puisse rentrer ou sortir. Parce que ça fait en sorte que là, on peut avoir une rue à deux sens, où est-ce que les gens rentrent et sortent par le même côté. Ça voudrait aussi dire fort probablement d'enlever tout le stationnement sur rue. Parce qu'il faut donner assez de place pour que les gens puissent rentrer et ensuite sortir. Donc, il faut que la rue soit assez large pour pouvoir faire, faire un genre. Il faut faire le U-turn parce qu'il faut prévoir que si les gens ont à faire un U-turn, ils vont faut qu'il y ait la place pour le faire. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est envisageable d'enlever le stationnement sur rue. Et donc, c'est pour ça qu'on trouve que présentement, la meilleure solution, c'est de vraiment de faire le sens unique. Oui, mais juste pour compléter, aujourd'hui, on doit faire un U-turn si on veut repartir vers le sud parce que, contrairement à Heartland, il y a le stationnement des deux côtés sur Dunlop, il y a le stationnement que sur un seul côté. Donc, on voit ça, ce que vous dites, barré, il y a ça sur l'avenue Robert, il y a ça aussi sur une autre avenue là, en haut, là, des Hauts-d'Outremont. Donc, en tout cas, moi, je pense qu'il y a peut-être des choses à envisager là-dessus. Ou est-ce qu'il y aurait des choses, on a beaucoup d'endroits où c'est pas permis entre 7h et 9h, entre 16h et 18h. Est-ce que vous avez aussi réfléchi à des signalisations horaires selon l'heure de la journée? Oui. Puis là, je ne sais pas si Madame, peut-être Marie-Josée, qui je ne sais pas si elle est sur l'appel, pourrait nous donner un peu d'indication, mais ce qu'on a vu, c'est les accidents qui ont eu lieu ne sont pas dépendants du temps de la journée, d'un moment particulier dans la journée. Il n'y a pas plus d'accidents aux heures de pointe que non. Donc, quelles seraient les bonnes heures à mettre pour une interdiction? Puis encore une fois, ce n'est pas l'interdiction de rentrer ou de Van Horn qui est nécessairement les problématiques. C'est les gens qui passent tout droit. Hein? C'est les gens qui veulent faire carrément Dunlop, traverser Van Horn pour aller de l'autre côté, peu importe le sens qu'ils prennent. Donc, d'avoir des interdictions de tourner, surtout à certaines heures, ça n'affectera pas le changement et ça rendra pas l'endroit plus sécuritaire que de faire les sens uniques comme nous le proposons. Par contre, je prends bonne note de votre volonté peut-être éventuelle de discuter entre voisins de la possibilité de faire d'aller plus loin, de voir peut-être fermer un tronçon. Et nous, on est jamais fermé si les résidents sont favorables à ce type d'aménagement-là. Donc, j'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Merci, oui. Alors, prochaine question, M. Latraverse. Je pense votre micro, M. Latraverse. Monsieur Latraverse. Et vous m'entendez là? Oui, on vous entend. OK, ben bonsoir tout le monde. Alors, ma question, ça concerne l'analyse des accidents qui sont survenus. Et parce que là, M. Tomlinson vient de dire que les accidents étaient causés par des véhicules qui voulaient prendre la direction nord-sud ou inversement sud-nord, donc traverser la Van Horn. Est-ce que c'est effectivement le cas? Parce que dans votre préambule, vous disiez que c'était des véhicules qui s'avançaient pour tourner sur Van Horn. Donc, si c'est cette éventualité, c'est-à-dire des véhicules qui veulent tourner sur Van Horn, est-ce que les accidents ne seraient pas dus au fait que les saillies rendent très difficile la manœuvre de virage pour les voitures, par exemple, qui viennent de Van Horn et qui voudraient tourner vers le sud sur Dunlop, ou peut-être dans un moindre degré pour les véhicules qui viendraient de l'est sur Van Horn et voudraient tourner vers le nord sur Dunlop. Donc, est-ce que ça, c'est est-ce qu'on a... Parce que moi, comme conducteur, ça m'arrive d'avoir des difficultés, enfin, que ce soit plus difficile de
de prendre un virage alors qu'il y a une saillie, qui, s'il y a une autre voiture, la manœuvre devient vraiment difficile parce qu'il n'y a pas assez d'espace pour tourner. Donc, est-ce que ça, c'est un facteur? Merci, M. Latraverse, votre question. Les saillies ont été mises en place seulement en 2019. Dans le tableau qu'on a montré dans la présentation, 9 des 10 accidents répertoriés à date l'ont été avant les saillies de trottoir. Donc, je ne pense pas qu'on peut dire que les saillies ont un impact négatif ou ont affecté plus d'accidents. Il y en a eu autant avant qu'après. Et je rappellerai que, parce que je vois qu'il y a une autre question dans les commentaires sur les saillies de trottoir, les saillies de trottoir ne sont pas là nécessairement, ils sont là plus pour les piétons. Une saillie de trottoir a deux fonctions principales. Un, pour réduire le temps de traverse. Donc, en extensionnant le trottoir, on donne moins de temps de traverse aux piétons. Et deux, ça nous permet de verdir des coins de rue avec du verdissement. Donc, c'est pour cette raison exacte qu'il y a des saillies de trottoir. Et l'ensemble des saillies de trottoir sont installées en tenant compte des angles de tournage importantes, notamment pour les camions qui sillonnent nos rues, ainsi que les autobus scolaires. Donc, il n'y a pas d'enjeu avec les saillies pour empêcher les gens qui tournent. Puis, veuillez m'excuser, M. Latraverse, si je me suis mal exprimé au début, mais les gens s'avancent dans l'intersection pour voir s'il y a du trafic qui s'en vient, pour poursuivre leur route tout droite. Okay. Ce n'est pas nécessairement pour tourner qu'ils s'avancent dans l'intersection. Ils s'avancent pour s'assurer qu'il n'y a personne qui s'en vient dans le but de continuer tout droit. Et c'est là que, malheureusement, la majorité des situations sont arrivées. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Prochaine question, ce serait Mme Allard. Oui, bonjour. Alors, moi, je suis sur la rue Heartland. Trois petits éléments. Là. D'abord, je voudrais faire un suivi sur ce que M. Latraverse vient de dire. C'est effectivement beaucoup plus difficile maintenant de tourner sur Heartland depuis que les saillies de trottoir ont été installées. Et quand il y a un camion qui veut tourner et qu'on est arrêté au feu de circulation, il faut reculer. Même si on n'est pas arrêté à la limite là, de Van Horn, c'est impossible pour un camion. Alors, il faut absolument reculer. Puis à partir du moment où il y a une voiture derrière nous, ça vient compliquer la chose. Alors, si on augmente le trafic sur Heartland, clairement, ça va être problématique. Le deuxième élément sur Heartland, c'est que le feu de circulation a toujours été plus long pour essayer de décourager les gens de passer sur Heartland. Bon, avant, c'était un désavantage pour les voitures en transit de prendre Heartland parce qu'il y avait un feu de circulation et ça les ralentissait. Maintenant, justement, au contraire, à cause de la circulation sur Van Horn qui a rendu la traverse impossible, les gens privilégient les rues où il y a des feux de circulation. Là, ça va être encore plus le cas avec ce qu'on propose sur Dunlop. Alors, le fait que le feu de circulation est plus long incite les gens justement à accélérer quand ils voient qu'il arrive de la joie puis qu'ils voient qu'il est vert. Alors, ils accélèrent pour essayer de... et dans le sens inverse. Et moi, je peux vous dire que pour avoir... mes enfants sont plus vieux, mais pour avoir eu mes enfants élevés sur cette rue-ci, ça fait des années que je cours après les chauffeurs pour leur dire de ralentir. Et le troisième point que je vais amener, c'est malheureusement les dos d'angle qui ont été installés. C'est déjà pas très joli, non, on doit dire, non, avec ce truc jaune, puis les pancartes, nos rues sont rendues bordées d'affiches de stationnement, puis de dos d'angle et tout ça. Le problème, c'est qu'ils sont pas, tant qu'à avoir un dos d'angle, il aurait fallu qu'ils soient plus élevés pour être efficaces. Là, je vous dis, les gens qui passent sur notre rue, les dos d'angle, ils passent à une vitesse incroyable. C'est comme si, à moins d'avoir une voiture coupée sport, il n'y a pas grand voiture qui gêne pour passer à 40 et 50 km/h sur ces dos d'angle. Alors, ces trois éléments que je voulais mentionner, je ne sais pas s'il y a des solutions. Je n'ai pas de solution à apporter, mais je pense que
il faudrait avoir adressé ces trois points-là, puis voir si on peut faire quelque chose pour justement décourager les gens d'aller rapidement, d'aller sur notre rue carrément et de diminuer le trafic. Alors, c'était mes points. Merci beaucoup, Mme Allard. Vous posez des questions et vos commentaires sont directement en lien avec ce que la majorité des gens Outremont vivent. C'est-à-dire, il y a trop de voitures, ils roulent trop vite, puis ils ne font pas attention. Donc, oui, c'est vrai qu'on a installé des dos d'armes. On va continuer à en installer. Parce qu'il y a quand même un impact. Je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui se fient un peu, qui se foutent un peu, je devrais dire, des dos d'âne et de leur impact. Par contre, ça a fait ses preuves partout ailleurs. Puis je suis content de vous entendre dire qu'ils ne sont pas assez hauts. J'aimerais ça que les gens du MTQ vous écoutent parce que c'est dans leur... C'est dans leurs normes hein, qu'on fait des dos d'âne. C'est avec les normes du ministère du Transport du Québec. Ils ont des normes très précises sur la hauteur, la longueur des dos d'âne. Et on aurait espéré et voulu, dès le début de notre mandat, d'avoir des dos d'âne plus élevés qui sont vraiment, vraiment, qui font ralentir, presque arrêter les voitures. Mais on a ce qu'on a. On travaille avec les outils qu'on a. Par contre, pour le reste, comme je vous dis, on est tout à fait ouvert à regarder les possibilités de réduire le nombre de véhicules qui passent dans l'ensemble des rues d'Outremont. Si les résidents sont prêts à nous suivre, nous, on est toujours prêts à aller aussi loin que les résidents veulent aller avec nous là-dessus. Pour ce qui est de la New Heartland et de la lumière, je vous dirais que c'est très simple. Les automobilistes privilégient les rues qui n'ont pas de lumière. Ça, c'est clair. Ils vont toujours choisir la rue qui n'a pas de lumière parce qu'ils croient que ça va plus vite. Je prends bonne note, par contre, de votre commentaire sur la longueur de la lumière sur l'avenue Heartland. Et il y a Mme Nobert, qui est notre spécialiste en circulation, qui est sur l'appel. On regardera si c'est vraiment le cas, si la lumière à Heartland est vraiment plus longue que d'autres. Pour voir si on ne peut pas travailler là-dessus. Donc, on vous reviendra sur ce point. Donc, merci. Merci de vos commentaires. Prochaine question, ce serait Mme Brown. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. OK. J'ai plusieurs questions, mais ma première question, c'est à savoir... Est-ce que je comprends que puisque c'est le but, c'est que ce soit voté à la prochaine séance du conseil, ça veut dire que la décision est déjà prise? Absolument. OK. OK. Alors, j'ai quelques interrogations. Moi, je suis très, très interpellée par la sécurité à Outremont et ce tronçon-là de l'avenue Van Horn est vraiment hyper dangereux. Moi, je suis d'avis que c'est une artère qui traverse la ville au complet, donc je pense que c'est des gens principalement qui n'habitent pas Outremont, tel que vous l'avez dit. Par contre, j'ai peur que la décision que vous avez déjà prise, donc de faire un sens unique sur l'avenue Dunlop, ait des conséquences sur les autres artères, telles que d'autres personnes l'ont dit, et puis ça va créer des dangers ailleurs. C'est comme reporter le problème ailleurs. Alors, je comprends aussi que Van Horn, c'est une artère de transit, donc ce n'est pas juste Outremont qui peut prendre des décisions de manière unilatérale. Il faut que ça se fasse de concert avec la ville-centre. Mais ma question, c'est à savoir, bon, on sait que depuis au moins 2019, c'est dangereux puisqu'il y a beaucoup d'accidents. Avez-vous demandé à la ville un feu de circulation depuis 2019? Depuis 2019, oui. On est toujours en train d'interpeller la ville sur l'ensemble des artères qui leur appartiennent. Pour améliorer la sécurisation. Il y a même des intersections qu'on est intervenu sans que la ville nous donne le go de le faire. Je pense notamment à l'intersection de Devimy-Kelvin, entre autres, où est-ce que on a dû intervenir. C'était juste trop dangereux. Donc, on est toujours en train d'interpeller la ville pour sur les artères. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir toujours prendre toutes les opportunités qu'on a
pour essayer d'améliorer la situation. On est très conscient des impacts possibles de pouvoir transférer plus de trafic ailleurs, mais vous savez, on doit, quand ça vient à la sécurité, il faut absolument travailler coin de rue par coin de rue, tronçon par tronçon, et c'est ce qu'on fait dans ce cas-ci. On prend le tronçon peut-être le plus dangereux et on tente de l'améliorer. Maintenant, on verra ce que ça donne, mais on est pas mal certain que ça va aider à moyen et long terme. Voyons si on peut aller encore plus loin ou si on peut changer les choses pour l'améliorer encore plus. OK. Dans le fond, je suis vraiment désolée de répéter ma question, mais ma question, c'était à savoir, avez-vous demandé précisément un feu de circulation pour ce coin de rue-là depuis 2019 à la Ville de Montréal? Comme je vous dis, on a demandé constamment sur l'ensemble de l'avenue Van Horn à la Ville d'intervenir sur la sécurité des gens. Donc oui, on a demandé la question, on a demandé bien plus que ça. On est constamment en train de demander à la Ville de faire des changements pour améliorer la sécurité. OK. Donc, je comprends qu'un feu a été demandé depuis 2019 pour ce coin de rue-là, mais que ça a été refusé par la Ville. C'est ce que je comprends? Bien, est-ce que ça a été refusé par la Ville? Ça, je n'en suis pas certain. Je pense que la Ville va toujours nous répondre qu'on est dans un processus, on veut revoir l'entièreté de l'avenue Van Horn on va intervenir sur l'ensemble de l'œuvre dès qu'on a la chance, puis ça s'en vient très bientôt. Donc, okay. C'est à peu près ça la réponse. Fait qu'on ne peut pas considérer ça un refus comme tel, mais disons qu'il n'y en a pas de lumière. Donc, OK. Puis par exemple, une lumière temporaire, est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisageable? Je ne sais pas. Je laisserai peut-être Mme Nobert ou Mme Leblanc répondre à cette question-là. Je ne sais pas comment ça marche, une lumière temporaire. En fait, moi, je peux répondre déjà à la demande qu'on a fait auprès de la Ville-Centre. Ça fait depuis 2016, je crois, qu'on demande un feu de circulation à cette intersection-là. Or, les ingénieurs de la Ville-Centre nous ont toujours refusé cette demande-là compte tenu des distances entre les tronçons, en fait, qui ne respectent pas les normes du ministère des Transports. Donc, la distance entre deux feux doit être, je pense, de 200 mètres, 250 mètres. Et donc, ça ne coïncide pas avec l'intersection entre Pratt et Heartland. Donc, c'est pour cette raison qu'ils ont toujours refusé l'implantation d'un feu. Je comprends mieux. Merci beaucoup. On sait aussi que les chaussées rapetissées ont tendance à être des voies pour lesquelles les voitures circulent moins vite. Est-ce que vous avez envisagé d'utiliser le marquage pour diminuer la vitesse sur Van Horn? Ça, c'est quelque chose, j'imagine, qui peut se faire sans l'assentiment de la Ville-Centre? On a fait ça. Ça a été fait pendant longtemps. Parce qu'il n'y a pas de marquage présentement sur Van Horn à cet endroit-là, ni au milieu, ni sur le côté non plus. Oui, exactement. Le marquage a vraiment des limites sur la capacité d'améliorer la sécurité. Il y avait pendant longtemps des voies hachurées jaunes sur chaque côté de l'avenue Van Horn et on remarquait que ça n'empêchait pas les automobilistes de dépasser par la droite, par exemple. D'où la présence des cloches qui sont là sur Van Horn pour assurer que les gens restent dans une seule voie et que ne tentent pas des déplacements pour aller plus vite. Donc, si je peux me permettre, les cloches remplacent un peu le marquage qui avait été pendant longtemps en place sur la Van Horn. Je m'excuse, j'ai fermé le son, j'ai des enfants autour de moi. Maintenant, écoutez, c'était pas mal ça, mes idées, là, le marquage à droite, le marquage dans le milieu. Je me disais que si on attaquait l'essence du problème, on risquait moins d'avoir des impacts sur les rues résidentielles sur le côté. Et puis, je me demande aussi pourquoi vous avez enlevé les traverses piétonnières. Puis quand ils ont été enlevés? On les a enlevés, je crois qu'il y a deux ans ou trois ans, parce que, justement, vu la vitesse des véhicules, les problématiques avec le transit nord-sud, est-ouest qui se croisaient, les multiples croisements, c'était vraiment pas la place pour inciter les piétons à traverser. Ça donnait un faux sentiment de sécurité et ça redirige les piétons vers l'intersection de l'avenue Pratt, par exemple, pour traverser en sécurité avec la lumière.
Et donc, on les a enlevés pour cette raison-là, parce qu'on ne voulait pas en plus que le piéton ait un espace où est-ce qu'il se sentait en sécurité quand il ne l'était pas vraiment. Donc, j'espère que ça a répondu à vos questions. Je vous remercie. Merci. Alors, je vais laisser la parole à monsieur ou madame Caillé. Oui, bonjour. Bonjour, Clément. À vrai dire, moi, j'habite directement sur le coin de Dunlop et de Vanneur. On habite sur le coin de Dunlop. Puis, finalement, je pense que toutes mes questions ont été répondues au fil de la discussion. Mais je voulais juste dire un gros merci parce que je pense que c'est vraiment la bonne avenue que vous essayez d'entreprendre. Même moi, je me suis posé une question avec le voisin pendant un coup d'année, puis c'est quoi qui devrait être fait. Honnêtement, je suis vraiment beaucoup pour ma paroisse là-dedans, mais je préfère grandement ce qui est proposé là qu'un peu de circulation, simplement à cause du bruit des autos que ça peut occasionner, puis des autobus qui s'arrêtent sur le coin de la maison. Donc, juste dire un gros merci pour m'avoir mis ça en place. Bien, merci, M. Caillé. On avait de la peine à vous entendre, mais on vous a entendu suffisamment pour entendre l'ensemble de votre commentaire. Donc, merci beaucoup. Alors, je laisserai la parole à Choco. Oui, c'est Maude Choco. Merci de me donner la parole. Non, c'est pas de problème, c'était pas très clair. Je vous remercie pour la présentation. Moi, il y a plusieurs des questions qui ont été déjà soulevées. Je reviendrai quand même avec un élément qui m'interpelle particulièrement. Là, je suis en fait sur le coin du Charme et Heartland. Donc, dans les dernières années, on a vu le trafic augmenter de par, c'est pas compliqué, en fait, chaque fois qu'il y a une rue qui est un peu bloquée plus bas vers McEachran ou des travaux sur Van Horn, on voit que ça refoule sur Duchamp. Madame Maginier a pu avoir l'occasion de le constater de visu là, à quelques reprises parce qu'on l'avait informé de ça. Et là, en fait, la mesure que vous proposez, encore une fois, l'inquiétude, c'est que ça, effectivement, ça déplace le trafic, ça l'augmente sur la rue Heartland. Et la préoccupation que j'ai, qui est plus générale en vous entendant, puis je veux dire, M. Tomlinson, vous l'avez dit vous-même, là, vous attaquez le problème tronçon par tronçon, alors que la ville-centre, la réponse qu'ils vous font, c'est une réponse qui envisage le problème dans sa globalité. Je me demande, puis je comprends là, que vous, pour vous, c'est comme urgent d'agir, mais je me demande si ce n'est pas plus prudent et sage d'attendre d'avoir une vision de l'urbanisme complet de tous les tronçons, puis de prendre le problème du quadrilatère au complet pour éviter de se retrouver dans une situation que nous, on avait vécue avant d'emménager à Outremont, qui était près de la rue Fabre, la fameuse école au coin de Saint-Joseph et Fabre, où ils se sont mis à jouer avec les tronçons. C'était parmi les premiers à Montréal qui avaient eu cette idée-là. Et ça a créé vraiment des grosses complications. Puis ça a été assez long, voire 2-3 ans avant d'être réglé. Puis je dis réglé, je ne sais pas si ça l'est vraiment. Là. Et ça a créé littéralement un labyrinthe là, autour de ces rues-là et de ces écoles-là. Et nous, on est parti de cette région-là pour une de ces raisons-là. C'était entre autres le trafic. On n'en pouvait plus d'être pris dans des espèces de labyrinthes sur le plateau. Et donc, je comprends l'idée de vouloir régler la situation de la dangerosité au coin de Dunlop. Effectivement, si vous dites, là, moi, je vous crois sur parole avec vos chiffres, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que ce que vous faites en ce moment, c'est déplacer le problème. Puis vous parlez de dangerosité, c'est comme si vous le mettez sur un pied plus important que le trafic ailleurs, ce que je comprends. Sauf que l'aspect que vous semblez oublier, c'est que sur la rue Heartland, le trafic en question, il peut aussi être dangereux parce qu'on est une rue où, et ça aussi, vous le savez, vous l'avez constaté vous-même, les enfants de la rue jouent dans la rue tout le temps. Alors là, évidemment, on peut se faire dire, ils n'ont pas d'affaires à jouer dans la rue, mais en même temps, je pense que c'est contraire à votre vision. Vous êtes très heureux d'avoir les piétons qui envahissent les rues partout et on en est très heureux, on en est très fiers sur la rue Heartland. Mais là, la préoccupation, c'est celle-là, en fait. Et c'est la raison, je pense, pour laquelle la majorité de mes voisins de la rue Heartland sont particulièrement inquiets. Alors, deux questions de tout ce long préambule, désolé. Pourquoi vous voulez absolument agir rapidement et est-ce vraiment une bonne stratégie d'agir un coin de rue ou un tronçon de rue à la fois plutôt que d'avoir la sagesse d'attendre et d'analyser la globalité?
Et deux, pourquoi au lieu de feux de circulation, on ne met tout simplement pas des arrêts sur la rue Van Heurne à chacun des coins de rue? Parce qu'effectivement, notre feu de circulation, comme Mme Allard l'a dit, est très court. Là. Heartland, c'est une blague pour les enfants, ils le disent entre eux. Il n'y a même pas de moment où les piétons peuvent passer à moins qu'ils appuient sur le bouton, sinon c'est carrément une main interdite. Donc, pourquoi ne pas envisager des arrêts à chacun de ces tronçons-là? Il me semble que ça réglerait tout ce que vous avez soulevé. Voilà. Ouais, merci. Merci pour le préambule et les questions. Inquiétez-vous pas, c'était très pertinent. Bon, bien, premièrement, pour les arrêts, ce n'est pas permis sur des artères par le ministère des Transports du Québec. Donc, c'est pour ça qu'on n'envoie pas sur Côte-Sainte-Catherine, par exemple, ou sur Van Horn. Il y a certains types d'artères qui ont une désignation. Puis là, peut-être Mme Nobert pourrait me préciser la désignation de Van Horn. Là. Donc, LMTQ n'accepterait pas qu'on mette, surtout pas dans ce coin-là, à moins qu'on change complètement la désignation de cette rue-là et surtout sa configuration. Ce que la Ville a l'intention de faire avec son projet de réaménagement. Donc, quand on parle de revoir l'ensemble de l'avenue Van Horn, surtout dans ce secteur-là, on peut penser, bien, c'est pas nécessairement une artère commerciale dans ce secteur-là, mais on peut penser à, entre autres, la réduction de la voie, des voies de circulation, l'avenue peut-être de d'autres formes de mobilité sur ces tronçons-là, dans ce secteur-là. Entre autres. Donc, un meilleur partage. Pour ce qui est de l'augmentation du trafic, vous l'avez dit vous-même, il y en a partout. Il y en a partout, sur toutes les rues, dans toutes les intersections. Et c'est un problème sur lequel on doit réagir partout. Bon, pour ce qui est d'un plan d'ensemble, il est déjà entamé. Je vous confirme, on a déjà donné le mandat à l'équipe de Mme Leblanc de débuter le processus d'analyse sur l'ensemble des rues et des ruelles de l'arrondissement. On a commencé ça l'été dernier. Donc, ça devrait prendre à peu près un an, un petit peu plus qu'un an environ, pour être complété. Et donc, ce processus-là est déjà entamé. Mais je ne sais pas si vous étiez là au début de la présentation. Je veux dire, on a vu le type d'accident qu'il y a au coin de Dunlap. Et c'est l'endroit où est-ce qu'il y a le plus d'accidents et le plus d'accidents majeurs. Ce n'est pas des petits fender bender, là, comme on dit en anglais. Là. C'est vraiment des accidents majeurs où est-ce que des autos sont propulsées sur des terrains de gens et sur des trottoirs. On doit composer, je dirais, avec des habitudes de vitesse et des habitudes d'un peu de cette liberté-là que les voitures en transit ont lorsqu'ils passent, lorsqu'ils ont beaucoup d'espace pour passer, puis qu'ils ont des belles lignes droites, puis qu'ils sont entre deux lumières, etc. Donc, on doit agir tronçon par tronçon en même temps qu'on fait l'analyse globale de toutes nos rues. Et la dernière chose qu'on veut faire, c'est de ne pas intervenir sur un tronçon qui est un des plus importants et les plus dangereux. Je ne pourrais pas continuer dans ma job s'il y avait eu un accident avec blessé ou avec un mort à l'intersection de Dunlop en attendant qu'on analyse l'ensemble de l'œuvre. Donc, comme j'ai dit tantôt aussi, c'est une mesure qui peut être très temporaire, qui peut changer avec justement les résultats d'une analyse globale. Donc, on va faire le changement et on verra par la suite ce que l'analyse nous donne comme information, mais c'était urgent d'agir à cette intersection-là le plus rapidement possible. J'espère que ça répond à vos questions. Pour ce qui est des autres tronçons comme Ducharme ou au coin de votre rue, Ducharme et Heartland, il y a oui des problématiques et il y a des solutions. Il y a plusieurs résidents qui nous ont interpellés pour trouver des solutions. On va voir avec l'analyse, mais en même temps, on réagit morceau par morceau dès qu'on voit qu'une situation est urgente. Donc, je vois que Mme Nobert, peut-être, voudrait donner plus d'informations. Oui, ben, j'allais rajouter, en fait, vous m'avez interpellé pour, en fait, effectivement, Van Horn, Côte-Sainte-Catherine sont considérées comme des rues collectrices, tandis que les autres rues, donc Dunlop, Heartland, sont des rues résidentielles. Ça, c'est la classification. Donc,
sur les rues collectrices, il n'est pas possible de voir apparaître des feux de circulation et des stops de façon alternée. Donc déjà, et par rapport à, au traitement en fait des problématiques, je crois que les problèmes qu'on retrouve sur Dunlop sont différents des problèmes qu'on retrouve sur Heartland. C'est-à-dire que Dunlop, c'est vraiment une problématique au niveau de la sécurité, de la traversée, donc à l'intersection. Donc, il y a vraiment une problématique à ce niveau-là. Et c'est vrai, probablement, qu'il va y avoir un déversement de la circulation sur Heartland. Donc, il faudra voir la problématique qu'on retrouvera sur Heartland, qu'on retrouve depuis très longtemps, parce que ça fait bien longtemps que Heartland, les résidents nous interpellent depuis longtemps. C'est une problématique de circulation de transit. Donc, le traitement devra être différent. Je crois que de cette proposition de sens unique n'empêchera pas d'éventuellement de régler le problème sur Heartland d'une autre façon, d'un autre traitement. Et puis, c'est vrai que Heartland part de Côte-Sainte-Catherine jusqu'à Dumanoir. Donc là, la problématique probablement provient peut-être aussi du fait que à partir de Côte-Sainte-Catherine, il y a beaucoup de voitures qui enfilent, qui vont jusqu'à Dumanoir. Dumanoir après emprunte Pratt et vont jusqu'à Bates pour aller vers le nord et vice-versa. Donc, je crois que ces deux problématiques, il faudra traiter de façon simultanée, éventuellement. Merci, Mme Lebas. Alors, il nous reste deux questions de personnes qui ont la main levée. Je donnerai la parole à Mme Bonnefoy. Oui, bonsoir. Merci d'organiser cette séance d'information. Je pense que c'est utile à la fois pour nous informer tous, puis peut-être se poser justement avoir ces questions. Je suis résidente sur l'avenue Heartland entre Van Nuys et Duchamp, puis j'ai les mêmes préoccupations que Maude et Catherine. C'est sûr que ça fait 10 ans qu'on est là, ça fait 10 ans qu'on voit finalement la file de voitures s'allonger pour pouvoir rentrer sur Van Nuys. Il y a certains matins, pourtant je suis même pas au coin de la rue, je suis à 5 maisons de la rue, mais des fois il y a tellement de voitures que j'arrive pas à sortir de mon entrée parce qu'il faut que j'attende que le feu de circulation passe au vert, qu'il y en ait 3-4 qui arrivent à passer pour pouvoir sortir. Donc, c'est clair qu'il y a de la circulation et on sent qu'il y a une agressivité des conducteurs qui essayent de passer pendant que la lumière est au vert. La vitesse sur Van Nuys est aussi énorme. Puis ma préoccupation de manière plus globale, c'est que, on est vraiment à des intersections. Il y a Van Nuys, mais il y a tout le trafic qui vient de Ville-Mont-Royal, il y a l'université qui se construit. Puis, c'est sûr que vous mentionnez qu'il y a un plan global qui va être fait, que vous allez le sortir dans un an. Mais ce plan global, qu'est-ce que vous allez en faire? Parce que j'ai l'impression que c'est un exercice que vous faites pour Outremont, mais que tous les problèmes viennent de ces grandes artères qui dépendent de la ville de Montréal, donc Van Nuys. Et donc, même s'il y a un plan global qui est issu, qu'est-ce que vous allez faire pour Van Nuys pour pouvoir faire en sorte que, justement, on réduise la vitesse sur Van Nuys et puis qu'on arrive avec une solution vraiment globale avec la ville de Montréal? On rentre bientôt en élection. Est-ce que c'est une de vos priorités et comment allez-vous l'adresser? Merci pour le commentaire. C'est peut-être notre priorité avec tout le volet de transition écologique. Là. La sécurité dans nos rues, on y travaille depuis 4 ans, on y travaille à tous les jours. Et oui, je pense qu'on peut voir les aménagements que la Ville de Montréal fait depuis les dernières années sont très axés sur la réduction de l'emprise de l'automobile sur les rues. On peut regarder l'avenue Sainte-Catherine au centre-ville comme étant un exemple, je pense, assez concret. Réduction du nombre de voies, augmentation de la place de la mobilité douce, donc des vélos, des piétons. Et j'ai complètement confiance que ceci va être intégré dans l'avenue Van Nuys. Depuis que notre équipe est à la ville, on a fait une chose très claire, c'est que lorsqu'on refait une rue, on ne la refait jamais à l'identique. On intègre systématiquement des mesures de sécurisation.
que ce soit pour les piétons, pour la venue de vélos ou pour la réduction de la vitesse des voitures. Le seul problème avec toute cette équation-là, c'est qu'au niveau municipal, nous n'avons aucun contrôle sur le nombre de véhicules sur nos routes. On peut, au niveau urbanistique, travailler sur empêcher les voitures de passer à certains endroits. On peut les obliger à réduire leur vitesse, mais on ne peut pas empêcher les gens de s'acheter des voitures. Et présentement, c'est un problème sociétal. Il y a plus de voitures qui se vendent à tous les années qu'il y a de naissances. Donc, on a déjà un problème, un déséquilibre en partant sur lequel on n'a pas vraiment d'emprise. Ceci étant dit, notre vision pour Outremont, c'est considérant notre petitesse, si vous voulez, au niveau géographique, on est 4 km carrés, on est en plein centre de l'île de Montréal et on subit du transit de partout, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, constamment. Donc, on veut s'assurer que lorsque les gens passent par Outremont, s'ils décident de passer par chez nous, qu'ils réalisent que c'est un environnement apaisé, calme et sécuritaire. Et s'ils ne veulent pas d'être ça, bien, qu'ils se trouvent une autre façon de passer, qu'ils prennent l'avenue du Parc. Je veux dire, je pense que l'ouverture de l'avenue du Parc et de l'avenue Thérèse-Lavoie-Roux dans le quartier 1000 va beaucoup aider nos rues locales. On a, par contre, comme vous dites, Côte-Sainte-Catherine, Van Horn, et surtout tous les axes qui mènent et qui sortent du viaduc Rockland, qui sont les plus problématiques pour nous au niveau du véhicule de transit. Il faut absolument travailler en ce sens-là pour dire, bien, si vous voulez passer par Outremont pour aller ailleurs, vous allez réaliser que c'est un espace très calme, très apaisé, où est-ce que vous devez prendre votre temps. C'est un processus à long terme, on l'a entamé, c'est ce qu'on essaie de faire à tous les jours. Donc, ce n'est pas exactement la réponse à votre question, mais c'est plus général, mais voilà la vision qu'on tente d'installer pour notre arrondissement. Excusez-moi de reposer peut-être d'être un petit peu plus spécifique, mais moi, quand je roule sur Ville-Mont-Royal, que je vais sur l'avenue Rockland, je sais que je suis à Ville-Mont-Royal. Le rythme et les lumières sont synchronisées et font en sorte qu'on roule beaucoup plus, beaucoup, finalement, on réduit notre vitesse. Quand on est sur l'avenue Van Horn, ce n'est pas le cas. Puis là, on ne parle même pas de la réflexion de l'avenue Van Horn. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre de la pression à la ville-centre pour faire en sorte justement de réduire cette vitesse sur l'avenue Van Horn? Parce que c'est ça aussi une des grosses préoccupations. C'est une des problématiques et on le fait, oui, à la pièce, mais c'est important que ça se soit ajusté à un moment donné. Oui, vous avez tout à fait raison. On doit absolument faire ça. Comme j'ai dit d'entrée de jeu, c'est un peu dommage. Je pense que avec les délais qui ont eu lieu sur la réfection de l'avenue Van Horn, si la rue avait été faite en bonne et due forme en 2016, lorsque le processus avait été entamé, on aurait cette rue-là. Maintenant, est-ce que ce serait une rue complètement apaisée, telle que notre vision ou notre volonté le veut? Peut-être pas, peut-être que c'est une opportunité à saisir justement de profiter de cette nouvelle mentalité à la ville, de dire, regardez, quand on refait une rue, on la fait de façon apaisée, on la fait pour qu'il y ait un partage de la mobilité, pour s'assurer que tout le monde y trouve sa place, surtout les plus vulnérables. Donc, on travaille main dans la main avec la ville pour s'assurer que cela se fait, mais lorsqu'il y a des travaux de planifier, c'est très difficile d'avoir des interventions de leur part, parce que souvent, c'est une question de vraiment de dire bien, on n'interviendra pas tout de suite parce qu'on va juste le démolir dans quelques années lorsqu'on va refaire la rue. Et donc, les cloches que vous voyez sur Van Horn, c'est nous qui les avons posées, par exemple. C'est des mesures qu'on trouvait importantes pour pouvoir justement empêcher les gens d'aller vite et en plus, sur deux voies d'un sens, deux voies de l'autre, parce que c'est ça que c'était avant. La rue est tellement large que les gens profitaient de la largeur pour prendre deux voies. Donc, on a mis des barrières. Il faut empêcher les gens de faire ça. Donc, toutes ces petites mesures-là sont importantes. Puis oui, on travaille en ce sens-là constamment. Puis si jamais vous avez des suggestions pour nous aider à avancer dans ces dossiers-là, c'est avec plaisir qu'on va les prendre. Et juste pour terminer, et le plan global que vous allez avoir dans un an va servir à quoi?
Madame Leblanc, voulez-vous donner peut-être un petit aperçu? Tout à fait. C'est un plan directeur des rues et des ruelles résilientes et sécuritaires qu'on se propose de faire. Ce que ça va donner, c'est une vision à très long terme pour pouvoir mieux nous guider sur les changements qui sont à faire au niveau de la circulation dans nos avenues à Outremont. Je vous donne des exemples. Est-ce que telle ou telle avenue pourrait être à sens unique? C'est difficile de répondre à cette question si on n'a pas une vue d'ensemble de la circulation des rues avoisinantes, mais on ne peut pas s'arrêter juste aux petits pâtés de maison pour vraiment regarder l'impact sur l'ensemble des différents tronçons et ou des autres rues. Comme vous le soulignez là, sur Heartland ou Dunlop, bref, on fait un changement sur une intersection, il y a des impacts sur d'autres intersections et ou d'autres rues. Alors, on aura cette vision-là pour pouvoir nous guider puis faire les choix par la suite avec les informations nécessaires. Puis, juste pour ajouter, c'est pas seulement une question de sécurisation des rues, oui, mais c'est aussi comment est-ce qu'on peut redévelopper nos rues et nos ruelles pour être plus résilientes et être plus adaptables. Notamment dans un contexte de changement climatique. On prend par exemple les grosses pluies qu'on reçoit. Nos rues sont... La grosse pluie, elle aime beaucoup nos rues, mettons ça comme ça, parce qu'elle peut facilement descendre en vitesse, engorger le système souterrain de la ville et causer des soucis ailleurs. Donc, est-ce qu'on peut remédier à ces situations-là tout en revoyant la sécurité? C'est un peu ça que le plan va nous donner. Et c'est aussi, le plan va nous permettre de cibler les secteurs. Il y en a qu'on connaît déjà, c'est sûr, Dunlop, il faut qu'on le fasse. On le savait, c'était trop dangereux. On va regarder maintenant sur l'ensemble du secteur, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Parce que tout le monde l'a mentionné ici, il y a une question de sécurité partout, il y a une question de vitesse partout. Il y a trop de véhicules qui vont trop vite sur toutes nos rues. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler, oui, intersection par intersection, mais aussi par plus grands secteurs? Nous, on reçoit ce type de questionnement sur l'ensemble du territoire. On veut s'assurer d'avoir une vision globale qui va nous aider justement dans nos interventions tronçon par tronçon. Puis, Mme Leblanc, corrigez-moi si je me trompe, mais l'idée aussi, c'est qu'il y ait un volet de consultation publique dans ce projet-là. Naturellement, M. Marc. Un peu comme on a fait là, pour notre plan directeur des parcs et des bâtiments là, qui sera déposé au prochain conseil, il y aura tout un volet de consultation et de participation citoyenne là, dans l'élaboration de ce plan. Monsieur le maire, je n'ai plus de main levée. Alors, Désolée, je suis Manon Coutu, j'ai levé ma main quelques fois, ça n'a peut-être pas été vu. Je l'ai levé deux fois en fait. Ah, désolée. Oui, donc moi aussi, je suis une résidente de la rue Heartland. C'est ça, je partage les opinions qui ont été dites. Là, je suis très préoccupée. Puis honnêtement, je ne suis pas très rassurée suite à la consultation. Là, ça confirme hein, que vous anticipez que la circulation va se déplacer sur notre rue. Je me demandais si vous aviez envisagé de mettre un terre-plein temporaire pour bloquer l'axe nord-sud sur Dunlop. Je sais que ça se fait sur le plateau, sur le boulevard Saint-Joseph. Ça, c'était une chose. L'autre question, c'est que je me demandais, le feu de circulation sur Heartland est très, très court pour les piétons. Pour l'emprunter souvent avec ma fille, un jeune enfant, on n'a jamais le temps. Puis il y a beaucoup d'enfants qui doivent traverser, il y a plusieurs écoles à proximité. Fait que je me demandais si vous avez de l'avant avec le sens unique sur Dunlop, si simultanément vous allez augmenter la durée du feu piéton à la lumière, parce qu'il va y avoir plus de frustration des automobilistes. Et c'est vrai que les saillies, bon, moi j'étais en accord, c'est joli, mais c'est vrai que c'est un peu problématique là, au niveau des voitures. Ça coupe la vue. Là, je ne me rappelle plus. Je pense que c'est M. Choquette là, qui avait fait part de ça. Je ne sais plus qui. Mais c'est vraiment compliqué. Ça entrave beaucoup les déplacements. Fait que si on ajoute des voitures, moi, je crains que les automobilistes vont être plus frustrés. Fait que ça va mettre en danger
la sécurité des enfants qui doivent traverser cette rue-là pour aller à l'école. Je prends bonne note de le temps de la lumière. Je vois Mme Leblanc qui prenait des notes et Mme Nobert qui est aussi présente, qui dirige ces dossiers-là à l'arrondissement. On pourra voir peut-être si on peut travailler avec la ville centre pour augmenter ou voir la régularisation de cette lumière-là pour donner plus de temps. Merci pour le commentaire en ce sens-là. Pour ce qui est de la balance, bien, en effet, ça se peut très bien que ça soit sur l'avenue Heartland parce que veux pas, on empêche les gens d'aller sur une rue, ils vont aller sur d'autres rues. Mais le but, c'est qu'ils prennent les bonnes rues pour transiter. Puis les bonnes rues pour transiter dans ce coin-là, c'est Devigny. Bien franchement, c'est cette rue-là qu'ils devraient prendre. Et donc, est-ce que c'est un facteur? C'est probablement un facteur qu'on va considérer de façon importante dans la révision du plan Goblal. Comment est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que les gens prennent les bonnes rues pour transiter? Parce qu'on veut justement que pour nous, résidentes, résidents, on ait les rues les plus calmes, les plus apaisées possibles. Donc, c'est un peu ça aussi que le plan, j'espère qu'il va ressortir du plan, c'est comment on redirige le trafic de transit vers les endroits pour transiter. Donc, est-ce que Mme Leblanc, ça nous voit? Je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui a la main. Oui, c'est ça, c'est M. Caillé. Je ne sais pas, M. Caillé, on allait vers la conclusion vous aviez encore une question ou si c'était peut-être pour répondre aux discussions dans les commentaires. Non, c'est vraiment plus une question. Mais c'est juste, tu sais, je sais que sur Mont-Royal, en haut, on a mis circulation locale seulement. Ça, c'est pas possible de partir, mettons, un plein de Dunlop et quelques autres rues pour juste garder des lignes ouvertes. Oui, merci. En effet, c'est un principe qu'on a mis en place suite à la demande de résidents et de résidentes. C'est dans le contexte, vous rappelez, il y a deux ans, la pandémie, on avait donné plus de place, notamment autour des parcs. On avait réservé certains tronçons de rue pour de la circulation locale seulement. Je pense qu'il y avait 8 tronçons de rue en question. Puis cette année, il y a deux tronçons qui nous ont redemandé de refaire ce qu'on appelle des voies actives et sécuritaires, donc des VAS. C'est ce qu'on voit sur l'avenue Mont-Royal et ce qu'on voit entre autres sur Marcellet aussi. C'est les deux endroits où est-ce qu'on a installé ce type d'installation-là. C'est marqué circulation locale seulement, mais on s'entend que les gens passent quand même. Donc, oui, c'est possible. Tout est possible. On a la main mise, on a le contrôle sur ce type d'installation-là. C'est une possibilité, en effet. Mais c'est des idées qu'on travaille avec les résidents de ces tronçons-là. Et donc, si les résidents veulent faire ce type d'installation-là ou veulent changer la configuration de leur rue d'une façon XY, on est tout à fait ouvert de regarder ça avec eux. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Alors, on arrive à la conclusion de notre rencontre. Je laisserai peut-être M. Tomlinson et Mme Magini nous amener vers cette conclusion. Je vais laisser Mme Magini. Moi, les gens m'ont assez entendu. Merci juste simplement à tout le monde qui a participé. C'est vraiment ce genre de discussion-là qu'on apprécie, qui nous alimente dans nos discussions. Puis n'hésitez pas, s'il y a quoi que ce soit, de revenir vers nous. Des fois, on a ces discussions-là, puis ça nous alimente vers d'autres choses. Donc, n'hésitez pas. Merci. Oui, merci beaucoup. Écoutez, juste remercier tout le monde. Aussi, vous dire que, je l'ai déjà dit à plusieurs d'entre vous, mais dès que le changement de sens de rue sera fait, n'hésitez pas à me contacter, comme je suis votre conseillère, ou même Mme Leblanc ou Philippe, M. Tomlinson, évidemment, pour nous dire, surtout les personnes de l'avenue Heartland, quels sont les impacts que vous constatez. C'est sûr qu'on veut documenter ces impacts-là. Donc, bien sûr, moi, j'ai vraiment hâte, avant tout, à la réflexion de l'avenue Van Horn, d'avoir des trottoirs plus larges, de voir comment sécuriser, apaiser les différentes intersections. Dunlop, c'est quand même une intersection importante étant donné qu'il y a le parc Pratt qui est dans ce coin-là. Donc, ça va vraiment être à revoir.
ça a été déjà dit, je pense, par Madame Bonnefoy, mais des feux synchronisés, mais ça fait longtemps qu'on souhaite, qu'on rêve avoir des feux synchronisés. On sait que ça devrait être possible lors de la réfection de l'avenue Van Horn. Donc, toutes sortes de mesures qui vont permettre d'apaiser pour de bon cette avenue-là. Merci pour votre temps. J'ai pris bonne note des différents commentaires, des différentes questions. On reste en contact et n'hésitez pas, c'est à quoi que ce soit, on est là. Merci. Et peut-être voir dans le chat, comme on dit, Mme Leblanc a mis un courriel, le courriel de l'arrondissement, si vous avez des demandes ou des inquiétudes, quoi que ce soit, sur tout ce qui est lié à la mobilité à l'arrondissement, le courriel est dans les commentaires. Alors, merci. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée tout le monde. Merci. Bonsoir.